connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Alléluia, oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, oui, prends tout, Seigneur. Moi, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon. Oh oui, prends tout, Seigneur, mon roi, oui, prends tout, Seigneur. Toute ma misère, oui, prends tout, Seigneur. Moi, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Mes bien-aimés frères et sœurs, les techniciens, il n'y a aucun technicien? Il n'y a personne? Personne? Mes bien-aimés frères et sœurs, oui, ça arrive. Nous avons des salutations de la part de notre bien-aimée sœur, la femme des frères Kinkela, le pasteur de Boma. Moi si yandeko Kinkela Mokengelia. La femme de notre bien-aimé frère Kinkela. Moi si yandeko nabiso Kinkela. Oui. Nous avons appris qu'il est à l'hôpital avec son enfant.
Oyoki sangoete azali na ndako na monganga na mwana. Nous avons accouru. Tokimagimba ngokuna. La chose est vraie. Il dit kamango ezali solo. La sœur était hospitalisée. Ndeko mwasi ya zwamaki na ndako wana. Avec son enfant. Na mwana na ye. L'enfant avait le problème de sucre. Moi, nazana na bokono ya sucre. Et nous avons parlé. Et tolobaki. Et nous avons prié ensemble. Et tobondelaki ban solo. Elle vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Yeah, zali kopesa biso nyonso mbote na komo na ko Jésus-Christ. Avec tous les enfants qui étaient là. Et longo na bana banso bazaki wana. Oui, le pasteur Kinkel a eu 7 enfants. Yena mokengeli Kinkel ba zui bana sambo. Et tous sont des garçons. Et banso bazami bale. Et c'est le gars, troisième qui est malade. Ils allaient au Yamisa tourner à Zakobela. Après des semaines de maladie, après des semaines d'hospitalisation, si quand nous sommes allés là, on nous a dit qu'ils vont sortir aujourd'hui. C'est pourquoi ils vous saluent. Et cela n'empêche que vous puissiez la consoler. Parce qu'elles nous ont donné l'adresse. Le numéro de téléphone, mais vous pouvez les rencontrer au niveau de l'IPEN. Le numéro de téléphone est allé, parce que vous pouvez les rencontrer au niveau de référence église La Borne. Référence est allé, église La Borne. On m'a dit que quand vous arrivez seulement là, vous pouvez seulement nous téléphoner et nous allons sortir. Et le numéro de téléphone. Numéro Yasinga. 081. Il n'y a personne qui prend le numéro. 081. 031. 031. 031. 30. 30. Et puis 32. 32. Le nom c'est Mbayo Kinkela. Kombo yandeko izali Mbayo Kinkela. Oui. Que Dieu vous bénisse. Tika ete kolo apambola bino. Nous avons un cas de prière. Tozui bosenga ya mabondeli. La sœur Emilienne. Ndeko mwasi Emilienne. Elle avait déposé une requête hier ici. Lobi atika ki lokasa na ye pona bosenga mabondeli. Pour qu'on puisse prier pour son fils. Pona kobondela tina na mwana na ye. Il y a des problèmes au travail. Il fera autant de mois sans être payé. Alors, elle a demandé qu'on implore la grâce du Seigneur pour que son fils se retrouve. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes d'accord de prier pour lui, Soko Boselingui Kobon de la Pona Ndeko. Vous allez vous mettre debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Tokotele Mabanso Longo, Pe Tokotanga, Eteni Yalikomi. Et nous allons prier aussi pour cet enfant-là de Frère Kinkela. Pe Tokobon de la Pe Pona Mwana Wana Yandeko Kinkela. Que le Seigneur lui donne la force. Et Nkolo Apesa Yemakasi. Bien qu'on m'a dit que ça va. Ata Kobayebi Singaete, Magamezo Kotambo la Malamo. Mais l'enfant était toujours couché. Kasi Mwana Zaka Kayakolala. Mais curieusement, ma sortie. Bon, quand je le salue, c'est cet enfant-là qui m'a dit saluez-moi spécialement le pasteur Lila. Et ça, moi, na wana nde alobi bo pese langai mokenge langa mbote. Moi, je ne lui ai pas donné le nom de mon pasteur. Boke bo pese langai. Je ne lui ai pas donné le nom de mon pasteur. Na pesiye kombo ya mokenge langate. Curieusement, c'est lui qui me dit. Salue-moi expressement le pasteur Lila. Ngana pisa ki kombo ya mokenge ilangate me kasi ye mokonde ya lobi ke bo pesela ngai pasteur Lilanga mbote. Et je lui ai dit pe na yebisa ki ye je peux oublier toutes les autres salutations. Na koki kobosa na bambote nyoso. Mais pour tout pour ces salutations kasi po na bambote oyo ayo je vais les amener au près du pasteur. Ngai na komema yango pe paya mokenge li. C'est dans cette ambiance là qu'on s'est séparés. Mais bien, mes frères et sœurs, nous allons lire une portion de l'Écriture qui se trouve en Acte 4. Acte 4, nous
Nous sommes au verset 32. Et nous descendrons. Nous lisons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Bibele ya baye bandimaki bango bazalaki obele motema moko pe elimu moko. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Moko te abandaki koloba ete biloko oyo ezali ya ngai moko. Mais tout était commun entre eux. Kasi nyonso ezalaki na lisanga katikati na bango. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Ba Thomas bazalaki kopesa litatoli na konzo nyonso natina bosnise kwa na nkolo Jésus-Christ. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Ba Thomas bazalaki kopesa ba matatoli na konzo avec beaucoup de force. Na makasi mingi témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Matatoli na tina ya lise kwa ya nkolo Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et ngolu monene moko ebandaki kozala likolo na bango nyonso. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Nzambi ezwamaki te katikati na bango moto moko na kokelela. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ba ebanso bazalaki na bandako to pe bilanga babandaki koteka yango. Apportaient le prix de ce qu'ils vendaient, de ce qu'ils avaient vendu. Ba bandaki komema talo ya biloko ba bazalaki koteka. Et le déposaient au pied des apôtres. Et ba bandaki kokitsa yango na makolo ya bantoma. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et babandaki kokabola na moko na moko engebene bosenga na moko na moko. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Joseph oyo babandaki kobenga ye na bantoma Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite. Fils d'exhortation, oui. Oye la ki elingi koloba mwana na libondisi. Ce qui signifie fils d'exhortation. Oye elingi koloba mwana na libondisi. Lévite originaire de Chypre. Molewi oyo auta ki bipa ya Chypre. Vendit un champ qu'il possédait. Ye ateka ki elanga oyo azalaki na yango. Apporta l'argent. Amemaki misolo. Et le déposa au pied des apôtres. Pe akitisaki yango na makolo ya bantoma. C'est ça. Ezali bon. Tout au début. Wana na ebandeli. Nous allons prier mes bien-aimés frères et sœurs. Toko bon de la bande komibali pe basi. Nous sommes venus à cet endroit. Biso toyei na esika oyo. Pour écouter le Seigneur nous parler. Po na koyoka nkolo kolobela biso. Le Seigneur ne descendra pas seul. Kolo akokita ye moko te. Pour nous parler. Po na kolobela biso. Il a mis devant nous ses serviteurs. Ye atie liboso na biso basali na ye. À qui il a mis ce qu'il peut nous dire. Na kati na bango ye atie makambo nini bango bakoyebisa biso. Alors nous allons demander au Seigneur. Na bongo tokosenga na nkolo. Que le Seigneur nous donne une attention soutenir la parole de Dieu. Kolo apesa biso boyoki penza ya malamu po na liloba na Nzambe. Pour que nous puissions bien comprendre les Écritures. Pour toko kakoyo kamalamo makomi, afin de les mettre en pratique. Natina ya kote yango na mosala. En les mettant en pratique, na kotiaka yango na mosala, nous allons les expérimenter. Biso toko bikela yango. Mes bien mes frères et sœurs, balinga mi bandeko mibali pe basi. En priant, na kobondelaka, n'oubliez pas le cas de l'enfant qui a besoin qu'on prie pour lui pour le problème de salaire. Tobo sanate mwana oyo azali na bosenga na mabonde na biso pona tina ya misolo na ye na mosala. Et sans oublier le fils de notre bien-aimé pasteur Kinkela. Pe na kozanga kobosana mwana na molinga mina biso mokengeli Kinkela. Prions ensemble bien. Tobo ndela baso elongo.
Molingami, tata na biso, ozana bisika bileki likolo. Lisusu na pokwa ya lelo, toye pai na yo lokola bana. Totondi yo nanu, tokumisi yo, poto kabona kilobi, petala uti koreinir biso, zinga zinga na mesa na yo, Pokoyoka maloba oeleki kitoko. Maloba oeleki, malobo euta kanaba universitaire. Maloba oeleki, maloba yaba politicien. Maloba yanzambe na bomoi. Kolo nabiso, toya wapenza ko répondre na invitation yango. Petozana besoin ya présence na yo. Toyebi kioza katikati na biso, tosengi o wendre ba levre ya mombo mosali na yo, peope sa biso ba disposition ya malamu. Lokola bato, oyebi ke tozana ba insuffisance ebele, lokola bato, ata ko toza bana na yo, me makambo ebele na mobembo yo tozo yeba yango te, nkolo tosengi sekur na yo, Tosengi assistance na yo, lelo ezala lisusu mokolo oyo, yozo pesa ba instruction, yozo oriente biso, pe ozo fandisa biso lisusu na makambo yo malamu malamu nkolo. Makambo yo salemaki na ebandeli ya eklesia, osunga ete nkolo na tango ya biso, esalema la même chose, Et ça, les mêmes choses comme tu ne cesses de nous les rappeler, Seigneur. Totondio mingi, tosengi, ozwa esika ya yambo. Moko na moko, abosa na makambo ya zalaki nango. Menkolo awa, baregar nyoso ezala fixe, epai na yo. Olo belabiso, o atteindre nos cœurs. Nzambe na mawa. Soki eza na moto moko, ayaki na lilombo moko to mosusu. Toyebi ke yo za solution na biso. Tosengi yo sekurir mwana no moko na moko. Ata reketo yo kokoye kozala exprime awa nkolo. Tocheli yo motema. Tosengi sekur na yo. Ope sa soulagement epa ya bana na yo. Pokwa ya lelo eza lisusu pokwa moko beni. Okanisa ndeko Jeremie nkolo. Pe okanisa mwana no moko na moko. Tobondeli yo boye na kombo ankolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen. Veuillez vous mettre mes frères. Boko kwa kovanda bandeko. Na pesi bansombote kati na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Toko tanga na misala mukapu mwa mibali. Mulungu mwa tuku minei na moko. E tusuki na tuku minei na sambo.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Loua Dieu et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Balimboli Bayete. Baye bayambaki liloba na ye babatisamaki mpe kati na mokolo yango motango ya bayokoli ibakisamaka pene pene na milimo koto isat bazalaki kolenda kati na lilakisi yango ya bantoma, kati na lisangana ya bondeko, kati na kobuka ya lipa, mpe kati na mabondeli. Bobangi yango, bosimbaki moko na moko, mpe yezalaki kosala mamingi ya makambo masomo mpe bikambuseli na nzira ya bantoma. Banso baye bazalaki kondima, bazalaki kati na esika yoko, mpe bazwaki nyonso kati na lisanga. Bazalaki kotekisa biloko na bango mpe bozwi na bango. Mpe bazalaki kokabula na katikati na bango mbuma oyo ezalaki kobima na biloko yango kokokana na babosenga ya moko na moko. Bazalaki mokolo na mokolo, banso elongo na kati ya tempelo, pe bazalaki kobuka lipango kati na bandako, mpe kokuwa bilei na bango
na esengo pe na bosokemi ya motema. Kosanjola kanzamba pe kozwa kangolu ipai na libota mobima. Benkolo yango azalaki mokolo na mokolo kobakisa na lingomba baye ye azalaki kobikisa. Teka nzambe na nguya asopa mapamboli likolo aliloba litangami kati na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Lokola tolobelaki yango lelo tokotala nini yango lingomba yebandeli bazalaki kosala. Me nazaki komona malamu te, namoni ndeko Bilali elongo na ndeko mosusu baye tutai kusolola kala mingi te pose ezalaki baya kosangana na biso pe talani bango wana jambe ya pambola bino sima ya liteya buku ya kopesa mbote. Tolobaki eloko moko lobiluleki na mainantina ya mayangani. Jambe alobelaka ndeko ewa de Frank kutia na motema na ye uta umobu mwakoto yoko na kamalibwa na tuku mwambe na mibale sanza ya zomi na mibale mikolo tuku mibale na mwambe kubianga likita lyoko pwete bana nzambe bakoka bongo kosangana esitu batei basanganaki na Krefeld. Elokola kolobela ngo na mobu mwakoto yoko na kamali bona tuku mwambe na misatu chambe alobelaki ye na mongongo polele kuyanganisa ayanganisa bandimi na ye basantu na ye mpo bangonde akataki na bango boyokani na nzira ya mbeka yango mpo ete azalaki na maloba ya kuyebisa bango. Lisangana lina lizalaki kotalela te ke basangana na lie moko géographique. Cet rassemblement-là ne concernait pas qu'il puisse se réunir dans un lieu géographique. Dakisana Krefeld. Par exemple, à Krefeld. Parce que bananaye bapalangani na molongo mubimba. Parce que ses enfants sont dispersés dans le monde entier. Mais en réalité, kasikatina busolo. Esengraki bana bayangana zinga zinga ya liloba na ye. Il a fallu que les enfants se réunissent autour de sa parole. Atako bipai na bikolo na bingumba bikutami bango. Même partout dans les nations ou dans les pays où ils se trouvent. Nation ou ville. Nation ou ville. Baza ko zwama. Où ils se trouvent. Bakoka kozala ensemble na mayangani ya bamboka ina po bakwa koyoka diloba dianza. Qu'ils puissent avoir des assemblements dans ces pays-là pour écouter la parole de Dieu. Nakati ya mayangani na bango. Dans leur rassemblement. Ba panzana panzana te na ba division na ba fausse doctrine. Qu'ils ne soient pas dispersés dans les divisions, dans les fausses doctrines. Ouane zali très important. Ça c'est très important. Eza ordre pesami lelote. Ce n'est pas l'ordre qui est donné aujourd'hui. T'es. Non. Esali bambula yike.
Ça fait des années. Depuis 82-83. Depuis 82-83. Ici dans la ville de Kinshasa. Tosiraka Kobanda. Nous avions commencé ko sangana, géographiquement dans un lieu. Chercher à nous réunir géographiquement dans un lieu. Mais ça ne tenait pas. Mbala na mbala. Maintes fois. Depuis sortie, y a Bandeko, y a Lingwala, Outa na Rigini 206. Depuis la sortie des frères de Lingwala, de Rigini 206. Kobanda Mobu, moi 1984-85. Depuis l'année 1984-85. Donc 1900. Oui, 1984-85. Kino Lilo. Jusqu'aujourd'hui. Masanga Maike Basira Kopalangana Nantina Yaba fausse doctrine. Beaucoup de rassemblements, ils se sont dispersés. Beaucoup d'assemblées. Ils se sont dispersés, ils sont dans la fausse doctrine. Non. Nantina ya fausse doctrine. Au sujet de la fausse doctrine. De division partout. Kobanda na église mère. Depuis l'église mère. C'est-à-dire uta na Kilangwe na Lemba et paya Mukuna. C'est-à-dire depuis Kilangwe à Lemba chez Mukuna. Kino na Rigini 1, 2, 5, 6 et avenue université. Jusqu'à Rigini 1, 2, 5, 6 sur l'avenue université. Division na division à cause de la fausse doctrine. Division sur division à cause de fausse doctrine. Mais koluka ya tousangana géographiquement dans un seul lieu. Mais chercher à nous rassembler géographiquement dans un seul lieu. Ezalaki kaka kosimbate kino lelo. Ça ne tenait toujours pas jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi Ndeko Franck, en 2000, je crois, 8. C'est pourquoi frère Franck, je crois, en 2008. Awa, na Kinshasa. Ici à Kinshasa. Na 18e rue, lui mettait numéro 12. C'est 18e rue, lui mettait numéro 12. Na réunion ya bateille. Dans la réunion des prédicateurs. Après ça qui est à nous, spécialement pour na église ya Kinshasa. Il a prêché spécialement pour... Il a donné la réponse. Ah, il a donné la réponse spécialement pour l'église de Kinshasa. Nantina était exalé comme une ville province. Disant que c'est une comme une ville province. Et le cola est un caractère de ville province. Et comme cela a un caractère de la ville province. À cause de fausses doctrines, bandimi ba palangana. À cause des fausses doctrines, les assemblées sont nées. Na bongo moyen ya bato bazala esika moko géographiquement ezate. Alors il n'y a pas moyen que les gens soient géographiquement mais que tous les frères qui servent parce que te bande ko nyonso ba iba ko salela ba koka kozala na révélation moko qu'elle puisse avoir une même révélation doctrine moko une même doctrine. Pona komema église ya Kinshasa na kondima moko. Pour ramener l'église de Kinshasa à une même foi. Atako ba moko basusu baza kosangana. Même si quelques-uns se réunissent. Na bisika kokesene. Dans des endroits différents. Mais bazwa quand même lilakisi moko. Mais qu'ils aient quand même la même doctrine. Mpe emoni seli moko. Et la même révélation. Moto na moto abimane emoni seli oya yete. Que chacun ne sorte pas avec sa doctrine oya yete. Pas avec sa doctrine. Et Israël clair et net. Et c'était clair et net. Kino lelo, jusqu'aujourd'hui, tozali koumela na eta oyo wana. Nous demeurons dans cet état-là. Mpe, tozo sala banso ba effort. Et tous nous faisons des efforts. Ko prêcher contre la division. De prêcher contre la division. Contre les fausses doctrines. Contre les fausses doctrines. Mpe, toko kakozwa la même doctrine.
et que nous puissions avoir la même doctrine, recevoir la même révélation, de recevoir la même révélation, prêcher le même message biblique du temps de la fin. La Bible est à temps où il y a souka pour le croyant à Kinshasa. Oui, t'es bandimi. Quand il a Kinshasa, tokoma na bomoko ya kondima. Que nous puissions parvenir à Oyo eko uta yambo yambo et pas ya bomoko ya batei. Ce qui vient premièrement de l'unité des prédicateurs. Pe na bomoko ya elimu. Et l'unité de l'esprit. Elimu ya nzambe. L'esprit de Dieu. Oyo esengeli kamba batei banso. Qui doit conduire tous les prédicateurs. Sobe totali na Galate. Si nous regardons dans Galate, Galate, c'est une province. Galate, c'était une province. Donc, province, il y a Galatie. Donc, la province de Galatie. Dans le chapitre premier, il y a Épître pas à Galate. De l'Épître aux Galatiens. Et comment mi boui? Il est écrit ceci. Paolo, Molongo Moyam. Le premier verset. Apôtre, Thomas, non de la part des hommes, de Koutakanabato, ni par un homme, Donanzela Moto, mais Kasi, par Jésus-Christ, Nanzela na Yesu Christo, et Dieu le Père, Benzambe Tatango, qui l'a ressuscité des morts. Oya, c'est qui ça qui est Outanabawa? Et tous les frères qui sont avec moi, nous adressons cette lettre aux églises de la Galatie. Aux églises. Voyez-vous? Galatie moko. Galatie, la seule Galatie. Mais Kasi, des églises, aux églises de Galatie. Ba ekelesia ya Galatie. Galatie zaingaka moko. Il y avait qu'une seule Galatie. Mais ba église ebele. Mais beaucoup d'églises. Omoni? Voyez-vous? Et totangi boy. Et nous lisons ceci. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. De ce Dieu mauvais, de ce jour mauvais, de cet âge mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et ce qu'on consulte histoire. Et si tu consultes l'histoire, Bonanini Galatie moko. Pourquoi la même Galatie? Une seule Galatie, Galatie moko. Une seule Galatie. Mais beaucoup d'églises. Ça c'est pas quelle est belle. Et balimboli bisobui. Et on nous explique comme ceci. L'épître aux Galates. Mukanda est pas ya ba Galates. S'adresse aux églises de Galatie. Et tindami na baikelesia ya Galatie. Ezaginini. C'était quoi? Région située au centre de l'Asie mineure. Région située au centre de l'Asie mineure. Et tout cas, région. Et tout cas, oui, tiamaki na katikati ya Asie mineure. Ezoamaki situé. Ezoamaki kati na Asie mineure. Ezaki région. Ezaki tout cas. À l'époque du Zaïre, Natango ya Zaïre, province et bandeko bien à ma région. Les provinces étaient appelées région. Région ya Bakongo, région de Bakongo, région ya Équateur, et tout cas ya Équateur, région ya Chaba, et tout cas ya Chaba, région ya Kasai, et tout cas ya Kasai, et ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Et Galatie Ezaki région. Pe Galatie Ezaki et tout cas moko.
Oyo to bandeko bianga na deuxième république région awa na ekolo na biso. C'est que nous appelions dans la deuxième république ici chez nous région. Le lo ezo bianga malisusu province. Aujourd'hui c'est encore appelé province. Région elikoloba province. Région ça veut dire province. Amen. Amen. Et Kinshasa. Et Kinshasa. Ezana caractère ya province. A un caractère de province. Kinshasa a son gouvernement provincial. Kinshasa est un gouvernement provincial. Bana gouverneur. Ils ont un gouverneur. Comme toutes les provinces. Loko la bituka nyonso. Kinshasa est un parlement provincial. Kinshasa a un parlement provincial. Comme toutes les provinces. Loko la bituka biso. Parce que Kinshasa est une statue de la province. Parce que Kinshasa a la statue de province. Et sa ville. C'est une ville. Mais est une statue de la province. Il y a la statue de province. Donc elle est autonome. Donc elle est autonome. Elle n'a qu'à la province, ni la Congo central, ça ne se trouve pas. Ni la Bandundu, ni la Kasai. Non, dit Kasai. Non. Mais Eza autonome yango moko. Elle est autonome elle-même. Eza lokola nde république mususu. C'est comme une autre république. Kinshasa ezo leka ba province isusu na ba habitants, na population. Kinshasa dépasse d'autres provinces dans la population. Population kinoise lelo na ebité ce qui est comme combien bato a statistique. La population kinoise, je ne sais pas aujourd'hui combien. Il y a bien deux nombres, ma estimation. Au moins combien? Au moins combien? Hein? Combien? Au moins 15 millions. Au moins 15 millions. Vous vous rendez compte? Ah, bon, comment on dit? Et 15 millions de la population, Bolobiba Zagaka, assemblée Mongo géographiquement. Et 15 millions non. De population, vous dites que ça soit une seule. Vous ne comprenez rien. Mais ce que Dieu demande, même dans des provinces, et c'est Bandimi Yanzambe, l'église Yanzambe, va garder le même enseignement. Il faudrait que les croyants de Dieu, les églises de Dieu gardent le même enseignement. Et dans la province ici, Oyobabengi Kinshasa, ou la ville de Kinshasa, et dans la province, la capitale de la République démocratique du Congo, qui a statut d'une province, attaque aux assemblées à Ebélé, la bouche autorisée a donné conseil. Tout garder le même enseignement. Et à il a donné l'exemple. Il y a acte oyotouti kotang. Des actes où nous venons de lire. Chapitre 2. Mokapami balé. Pe atangaki awa na verset 41. Et il a lu ici au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. La parole était à l'apôtre Pierre. La parole qui était prêchée par l'apôtre Pierre. Furent baptisés. La baptisamaki. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Et Bansoana, et tout cela, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Lilakis. Regardez. Il au pluriel persévérait dans l'enseignement singulier des apôtres pluriel. Tous
tous les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Et leur enseignement là unique. C'est ce qu'ils prêchaient aux multitudes de croyants. Chacun selon son ministère. Mais enseigner aux croyants le même enseignement qui signifie la même doctrine. Et le croyant persévérait dans cet enseignement unique des apôtres. Voilà. Chaque apôtre a une révélation particulière. Azaki nous a une doctrine spéciale. Tous avaient la même doctrine, enseignement, révélation, avec des ministères différents. Amen. 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 C'est ça, frère. Le croyant en ce temps-là, persévérer dans l'enseignement de Pierre, pas dans l'enseignement de Jean, et Barthélemy, tous avaient le même enseignement. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous faut avoir aujourd'hui. Parce que Dieu a promis de restaurer, de restituer la même chose. Amen. Peut-être que ya restitution, il y a restauration, il y a rétablissement, il y a rendement de toutes choses. Et nous voulons les voir. Pas seulement dans la parole, mais que nous puissions expérimenter cela. Il continue en disant ceci. Il ne persévérait pas simplement dans l'enseignement ou dans la doctrine des apôtres. Parce que même le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacrificature, il avait prié ceci. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Vous voyez? Parce qu'ils sont nombreux. Pas je lui ai donné. Je leur ai donné ta parole. Donc chacun d'entre eux avait reçu du Seigneur la même parole. Amen. Je leur ai donné ta parole. La même parole. Après ça qui est dans Matthieu. La même parole. Après ça qui est dans Jean. La même parole. Après ça dans Barthélemy. La même parole. Après ça dans Pierre. Je leur ai donné ta parole. Pas chacun sa propre parole. Non. Mais la même parole. Et il dit, et le monde les a haïs à cause de cette même parole, de cette unique parole que je leur ai donnée. Frère Bokanga, c'est à cause de cela
Le monde les a haïs. Ils n'ont pas haï. Na parole o yaye. Message o yaye. Non. Banso bazaki na quelque chose en commun. C'était l'héritage divin. La parole de Dieu. Autant les qualités à parole Pierre Azaki Azuaki Ango, c'est la même qualité à parole Jazuaki. C'est la même qualité à parole Bartholomé Azuaki. La même parole qui est la parole de Dieu qui sanctifie les croyants. Qui est la vérité sortie de sa bouche? Que la bouche du véritable ne sorte que la vérité pour sanctifier son peuple de toute fausse doctrine. Et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Maintenant, Awazo Bonde la Ponaba, porteur et à parole. Alors, ici, il priait pour le porteur de la parole. Pour le prédicateur, le ministre, les apôtres, les envoyés. Mais maintenant, Ayeko Bakisaboye. Maintenant, il a ajouté ceci. Na verset 16. Au verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et ainsi de suite. Maintenant, au verset 18. Comme tu m'as envoyé. Jésus, le Fils de Dieu, en tant qu'homme 100%, il était l'envoyé du Père. Il n'était pas envoyé en tant que divin. Non, mais en qualité d'humain, il était l'envoyé du Père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Oui. Nabutu yango ava prier. En cette nuit là, avant qu'il prie. Ava baya kokangaye. Avant qu'on l'arrête. Okomona même na chapitre 13. Tu verras même au chapitre 13. Tala libondeli na ye nabutu yango. Regardez sa prière. Tango basisi kolia le repas du Seigneur. Parce qu'ils ont fini de manger le repas du Seigneur. Basa koko kolia Pâque, Pasika. Manger la Pâque. Nkolo alobi boye. Le Seigneur a dit ceci. Au verset 20. Au verset 20. Chapitre 13, verset 20, il y a Jean. Chapitre 13, verset 20 de Jean. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et nakati a prié. Et dans la prière, ne abondeli boye. Il a prié ceci. Oui. Iyo. Oui. Iyo. Alobi boye. Dis ceci. Verset 18. Le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Maintenant, au sujet de la sanctification, et je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus était la parole. Et la parole de Dieu est bonne. Elle est sainte. Et en tant que la parole de Dieu, Jésus est la vérité. Et c'est la vérité qui sanctifie. Et comme la vérité sanctifie, la vérité elle-même se sanctifie. Elle est sainte en elle-même. Amen. Amen. Amen.
Et Jésus-Christ est la vérité. Il est la parole de Dieu. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Parce que ce qui est vérité, ça n'a pas tâche. Parce que si la vérité a des tâches, ce qui est vérité, ça n'a pas erreur. Si la vérité a des erreurs, et ça n'a pas parole, et ça n'a pas erreur. Et qu'on sanctifie l'église était. Ne pourra pas sanctifier. Et qu'on sanctifie le peuple était. Ne pourra pas sanctifier le peuple. Il faut vérité qu'à la sainte. Il faut que la vérité reste sainte. Pour sanctifier baye bayambi yango pour sanctifier yango ceux qui l'obéissent. Parole il faut être la pure, la parole doit être pure, être la saine, doit être saine pour purifier, pour pouvoir purifier les impurs, des impurs. Et quoi sainir, la parole puisse assainir bon, y a saleté ceux qui sont sales. Et bon, au bazar, salité et zabiso. Et ceux qui sont saletés, c'est non. La parole nous assainit. Parce qu'elle est saine. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Bisso, toko ndimande bongo. C'est comme ça que nous croyons. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Par la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et au chapitre 14 de Jean, au verset 6, je suis la vérité, je suis la vie, ou bien je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus est le trois en un seul homme. Donc vérité, chemin et la vie. Amen. Amen. Et comme il est la vérité, c'est la vérité qui sanctifie. Nous ne voulons pas une sainteté façon maison. Non. Mais nous voulons une sainteté qui est produite par la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Pas la parole de l'homme. Non, la parole de Dieu est la vérité. Parce que Dieu lui-même est le véritable. Oui. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire le vrai. Et nous sommes dans le vrai, dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul Dieu véritable. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné l'autorité, le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. Ça, c'est notre filiation. Ces enfants d'adoption par Jésus-Christ, qui est notre Yosef. Comme Manassé et Ephraïm, qui étaient adoptés par leur grand-père Jacob. Nous, le grand Dieu, nous a adoptés. Par notre Joseph, à nous, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Voyez-vous.
Et il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Oui. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement. Et c'est-à-dire les apôtres, les onze, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Mais si j'ai prié, c'est encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Leurs paroles. Amen. Il lui faut qu'aujourd'hui, tous les vrais ministres de Dieu aient la même parole, le même message, le même enseignement, qui signifie la même doctrine, avec la même révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez, frère. C'est comme ça que nous croyons. Ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pour le prédicateur. Non, non. Tete. Que je prie. Tete. Mais ma prière Tete. Est encore pour ceux qui croiront. Tete. Pour les croyants. Qui croiront en moi par leurs paroles, par leurs enseignements, par leurs doctrines, par leurs prédications. Ils croiront en moi. Et tous ont reçu la même parole. Je leur ai donné ta parole, ô Père. Et je les envoie comme tu m'as envoyé. Vous voyez? Et je ne prie pas seulement pour eux. Non. Mais pour ceux qui croiront en moi. Par leur prédication. Par leur enseignement. Par leur message. Amen. Amen. Et il dit, oui, oui, afin que tous soient un. C'est ça l'unité des croyants. L'unité des croyants. Voici qu'il est beau, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Non, non, mais de demeurer ensemble unis. Ensemble unis. On peut être ensemble, mais dans une désunion. Voyez. Mais nous devons être ensemble, unis, dans l'unité, l'unité de la parole, l'unité de Dieu, l'unité du Seigneur, l'unité de la foi, l'unité de l'espérance, de l'esprit, de la vocation, l'unité même de l'enlèvement, pas chacun à son enlèvement à lui. L'unité même de la résurrection. Que yo aussi, comment enlever, baninga na baza enlever. Que toi tu es déjà enlevé, tes amis. Non, ce n'est pas comme ça. On a déjà ressuscité, baninga baza ressuscité. Pour faire des gars, assemblée mon. Nous restons dans la même assemblée. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, enfant de Dieu, c'est comme ça. Alors, tozonga. Alors, rentrons dans l'acte. Dans l'acte. Même, en acte chapitre 2. Même ici, dans acte chapitre 2. Nous avons bien entendu cela. Je leur ai donné ta parole. Et le vrai croyant qui avait cru en Jésus par la parole des apôtres demeurait dans cette parole des apôtres. Il persévérait dans cet enseignement des apôtres, dans cette parole des apôtres, dans cette prédication des apôtres. Il n'était pas divisé.
Voyez-vous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Ils communiaient ensemble. Ils se fréquentaient. Ils se parlaient. Ils causaient. C'est ça la communion. C'est la communion. Dans une communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Le message biblique du temps de la fin. Car le Seigneur vient bientôt. Il revient pour nous chercher. Oui, frères et sœurs, nous ont demandé bongo. C'est comme ça que nous croyons. Et dans la fraction du pain, il rompait le pain. C'est-à-dire la Sainte Seine. Voyez, frère, fraction du pain, et l'ikoloba, le repas du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les prières, ils priaient aussi ensemble. Ils persévéraient ensemble dans la prière. Amen. Amen. Persévérance, Zraki, dans l'enseignement. Persévérance aussi dans la communion. Et la persévérance aussi dans la fraction du pain. Et dans les prières. Bazaki ko lâchete. Il ne lâchait pas. Bazaki ko découragete. Il ne décourageait pas. Toujours persévérant. Persévérant. Kaka kolenda, kolenda, kolenda. Toujours persévérant. Toujours encourager, encourager, encourager. Et non pas décourager. Maintenant, la crainte s'empare de chacun. Et Simba qui boko na moko s'empare de chacun. Chaque vrai croyant Azaki saisit la crainte du Seigneur dans son cœur pour lui-même. Il craignait Dieu. Il croyait Dieu. Il craignait la parole de Dieu. Il nous apprenait à craindre Dieu en écoutant sa parole. Nous avons dit, assemblez-moi mon peuple Moïse. Parce que je veux leur entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre. Et la crainte s'emparait d'eux après avoir entendu les paroles de Dieu par la bouche des apôtres. Ils apprenaient à craindre Dieu. Et cette crainte de Dieu avait produit en eux du respect et de l'obéissance et de la vraie foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, il dit, ça, pas le bien. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Beaucoup de prodiges. Et de miracles par les apôtres. Il se faisait. Il se faisait. Il y a quelqu'un qui faisait ces choses-là. C'était le Christ en eux. Voyez, frère, parce que pendant le jour de sa chair, Christ ne faisait rien. C'est le Père qui habitait en lui qui faisait ses miracles, ses prodiges. Nous lisons au chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Voilà.
Toutes ces choses, c'est Dieu qui a opéré par Jésus de Nazareth. Au milieu de vous. Maintenant, tout ce qui est, tout ce qu'était Dieu était déversé en Christ. Et tout ce qu'était Christ était déversé dans des croyants, dans l'église et dans l'assemblée. Et comme Christ pouvait dire, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui habite à moi. Maintenant, l'église et les croyants peuvent ou peuvent dire, tout ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est à moi. Qui fait ses œuvres pour ne pas attribuer la gloire à un être humain. Le seul être appelé humain, c'est cet homme de Galilée. Amen. Oui, frères et sœurs. Nous nous avons demandé. C'est comme ça que nous croyons. Maintenant, suivons. Maintenant, Kobi Alobi. Maintenant, il continue en disant. Tous. Pensons. Tous ceux qui croyaient. Pensons, Bazaki Kondima. Étaient dans le même lieu. Bazaki Katina Isika Moko. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Bazaki Bazaki Kondima, Bazaki Katina Isika Moko. Si vous avez besoin de vous dire que vous avez besoin de vous dire que vous avez vous dites que tout le monde est en train de vous dire que vous avez besoin de vous dire que Genèse y a œuvre. La Genèse de l'œuvre. Et puis Nassima est grandi. Et après, ça grandit. Et prospérer. Ça prospère. Et y est mon aîné. Ça prospère, ça devient grand. Un cher martyre. Oh mon Dieu, c'est comme ça. Bongo. Ils étaient dans un même lieu. C'est la vérité. Solo. Aujourd'hui, nous avons des croyants dans des villes. Il y a 3 000 dans un même lieu. 4 000 dans un même lieu. Il y a quelque chose de tout le monde est salamaka na bantoma. Voyons, ça s'est fait avec les apôtres. Les lopezo salam. Aujourd'hui aussi ça s'est fait. Ce qu'on a à assemblée ya katanga. Si tu prends les loko la ba kolwezi, loko la ba lubumbashi. L'assemblée zana est loko la ba goma. Qui sont à l'est tel que goma. 5000 croyants. 5000 croyants. 6000 croyants. 6000 croyants. Dans un même lieu. Tu n'as ici comme moko. Vous voyez frère. On m'a dit bandeko. Mais, Bandi Bibasuki Gawanate, au Kokuta dans la ville de Goma, bien à périphérique et à Goma, il y a des assemblées. Il y a des assemblées. J'ai parlé avec Frère Bulumba récemment ici. Abime Joseph. Le loso est tombé combien? Toi, tu crois grandir ndako ya kusambela. Nous avons grandi la maison de prière. Mais bazo kokaka kate. Mais il ne suffit toujours pas. C'est pourquoi tu fongoli partout. C'est pourquoi nous avons ouvert partout. Et tout tiekuna bandeko bazai kokamba bitonga mosusu wana. Et nous avons mis là des frères qui conduisent d'autres. Mais nous enseignons le même enseignement, la même doctrine, c'est comme ça. Et pas une abinoka gato ça là, tour ya Babel. Chez vous seulement qu'on fasse la tour de Babel? Non, non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Même les apôtres de Tango Bazaki tous dans un même lieu. Est-ce que vous continuez tous dans un même lieu? Bah, dit l'acte 8 et Zoya. A continuer la bango persécution. A compagnie la bango paranana. Est-ce que Yesu Kunandeng a tindaka bango? Alors, bah, qui demeurait dans un même lieu. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Binoboyego sort la sorte mongo ya communisme. Vous faites la communion sur Sika mongo, vous sangis si bilan bonabino. Et binion sont en commun pour Bokabola. Sa pauvreté. Qui vous a dit ça? Jésus avait répondu à Judas. Babola Bakodjangate. Vous les aurez toujours.
Vous ne les manqueront pas, vous les aurez tous les jours. L'ordre de Monsieur Ezali a aller. L'ordre de Monsieur Ezali a commencer par Jérusalem. C'est le commencement de l'évangélisation. Il fait continuer. Il ne voyait qu'au fond d'abîmes pépinière. Germois. Je voudrais vous disperser. Amen. Amen. Oh, baringa mikati nankolo. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit. Et à l'obé. Ils étaient chaque jour. Bazaki mokolo na mokolo. Non, non, a sauté. J'ai sauté. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Bazaki mokolo na c'est bien. Et ils avaient tout en commun. Et bazaki na nyonso kati na lisanga. Voilà. C'est cela. Bazaki nyonso kati na lisanga. Ils avaient tout en commun. Donc babandai ko sangisa biloko naba. Alors il mettait ensemble l'air bien. C'est ça. Eza bongo. Est-ce que tokou ko bandana poko alelote? Est-ce que ne pouvons-nous pas commencer ce soir? To sangisa nano biloko nabiso. De mettre en commun nos biens. C'est ça. Eza bongo. Oyoke sikali kamweza. Yatadi là où il y a le problème? Ils avaient. Bazalaki. Tout. Yons. En commun. Ils avaient. Ils avaient tout en commun. Bazwaki nyons katina lisanga. Soki natanga nezaka na ba mituka. Si en ce temps-là, il y avait des véhicules. En commun. Des véhicules en commun. Ba valise en commun. Des valises en commun. Ba vélo en commun. Des vélos en commun. Ba mal en commun. De mal en commun. Tout en commun. Nyons katina lisanga. C'est comme ça. Les alibongo. Même des sacs à main. Même des sacs à main. En commun. Souliers en commun. Des souliers en commun. La robe en commun. Des robes en commun. Ngaïté, n'attends pas moi. J'ai lu. Ngaïté, n'attends pas. C'est moi qui lis. C'est ici. Alobi. Il dit. Alobi boy. Il dit ceci. Ils avaient tout en commun. Bazoua ki nyonso, katina disanga. Ils vendaient leur propriété. Bazaki kote ka biloko na bango. Et leur bien. Pe biloko na bango. Bozui. Bozui na bango. Et ils en partageaient. Pe bazaki kokabola yango. Le produit entre tous. Bumba kati na banso. L'argent entre tous. Misolo kati na banso. Parce que toi babanda kote ki ça. Parce que lorsque produits babanda qui kozua. Les produits qu'ils avaient. Na vente wana ezaki argent. De la vente là, c'était de la ezaki pilipilité. C'était pas du piment. Na madesu te. C'est-à-dire mbongo. D'abord bateki si bazui mbongo. Ils avaient l'argent, ils vendaient. Baye kokabola kati na bango. Ils en partageaient entre eux. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? C'est écrit ici. Awa toyokete ke mbongo nyonso ya nzambe. Ici nous entendons ya dîme, ya ba offrande. Les offrandes. Basangisaki. Babani ko kabula na kati. Ils ont commencé à partager entre eux. Mais ande ba bien na bango ba propriété o ya bango. Mais c'était leur propriété, leur bien. Nde babana ko teki ça. Qu'ils vendaient. Ba bien na bango nde babana ko teki ça. C'est leur bien qu'ils vendaient. Mais ceux qui basent mis sur le kuna, et s'ils ont l'argent là, baye kokabola na kati na bango. Ils en partagent entre eux. Mais ce toko kobanda lelo te. Nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui. Nampoko oui. Ce soir. Toko kozwa décision te te toko de côté qui sont aux anango. Ne pouvons-nous pas prendre la décision de vendre ce que nous avons? Ba bien na bisoa. Nos biens là. Tout côté qui s'atte. Nous ne pouvons pas vendre. Ba propriété d'abisoa. Nos propriétés là. Toko côté qui s'atte. Nous ne pouvons pas vendre. Maintenant, l'argent que nous avons, le prix de vente, nous venons, nous partageons entre nous. Et ça sera quelque chose de bien. C'est cela. Vous voyez maintenant, qui peut commencer le premier? Ah,
awa tuzi koku fela frère ilanga pekisi koede na koede na mbongo yo wapi ici disons frère na koede to edaka bato na mbongo wapi mbongo baba ne koede yango yo baba ne ko kabola yango ya bango moko qui les partager biso yo to boy moto na moto ah non ici nous refusons disons nazaka na de wax ya pam j'ai seulement de wax oyo kuna nazaka na voiture moko ya pam je n'ai qu'une voiture mususu ndako kwaka na futi na kakufute donc c'est seulement la maison je suis locataire bon sigo to ko kabola nengi maintenant qu'est-ce que comment est-ce que nous allons partager. Ma komi batanga kango bitangela tangela te. Les écritures ne disent pas n'importe quoi. Nous sommes au temps de la précision. Amen. 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 Suko balobi. Maintenant, ils disent. Alobi boy. Ils disent ceci. J'ai là. Écoutez. Attendez. J'ai là mon cœur. Attendez un peu. Habiter. Nani azana version parole de vie. Qui a la version parole de vie? Kuna ba komini. Là, qu'est-ce qu'on a écrit? Parole de vie. La parole de vie. Dans la parole de vie. Balobi nini. Qu'est-ce qu'on dit là? Moni ero koma kuna te. Vous ne voyez pas quelque chose là? C'est là. Attendez. Parce que moi-même, j'ai ça ici. Alobinini. Que dit-il? La parole de vie. Dans la parole de vie ici. Hein? Qui a ça? Hein? Verset tout du coup. C'est le verset 45. C'est le verset 45. Tanganoki. Bazote kisa bilo na bango. Pe bilo na bango ya talo. L'argent entre tous. Kabulaki mbongo l'argent. Pas seulement produit. Produit, il faut comprendre, c'était l'argent. Le produit là, c'était l'argent. Vous organisez que le produit en Ezaki Mades. C'est pas ça que le produit là, c'était les haricots ou les archives. Non. C'était l'argent. Zaki Mbongo. Produit en Ezaki Mbandu ya vente. Le produit là, c'était le produit. Ils ont l'argent, cet argent là, ils en partagent. Des produits. C'est ça le produit. Amen. Amen. Bon. Sigoyo Koba. Maintenant, continuez. Selon les besoins de chacun. Ils en partagent. Selon les besoins de chacun. C'était pas partagé n'importe quoi. On regardait frère toi de quoi tu polo. C'est-à-dire, le frère a besoin d'un polo. On lui donne d'acheter un polo. Oyo kuna sengeli na lipapa. L'autre, le babouche. Akay asombi lipapa. Il va acheter un polo. Mususu eza souluye. L'autre, c'est besoin de chacun. Bosenga ya moko na moko. Parce que ba besoin, izala ki multiple. Moto na moto no ya ye. Eza ki ya ndenge moko te. Ce n'était pas les mêmes besoins. Amen. 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 Bon. Nakanisi, nakende musika lisusute. Je pense que tu ne dois pas aller loin. Je saute. Toko mana, toko bana chapitre 4. Continuons avec le chapitre 4. Awa toko mina chapitre 4. Ici, nous sommes au chapitre 4. Na verset 32. Au verset 32. Landa bien. Suis bien. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait à lui seul. Non. Mais aujourd'hui, Kasilelo. Les biens, c'est d'abord les miens. C'est d'abord les tiens.
Nagozi. Je mens. Tout en la Bible était. Nous lisons la Bible, non? Les souliers m'appartiennent, oui. C'est pour moi et pour toi. Moi aussi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Sœur. La sœur. Ma putain, j'en ai les agayons. Tous les pagnes là, c'est toi avec qui? J'en ai. Toi avec qui? Sœur Lourdes. Yayo Moko. Pour toi-même? Mais où est-ce qui bon côté? Mais ici, ce n'était pas comme ça. Frère Bilal. Comment? Voyez-vous? Il dit. Allô, bien? Nul ne disait. Mon côté, à Zaki Koloba. Mais aujourd'hui, nous disons. Parce que l'autre Zoloba. Chapatou Nangai. Mes souliers. Kitambala Nangai. Ah, mon mouchoir de chemise Nangai. Ma chemise. Pantalon Nangai. Mon pantalon. Ndako Nangai. Ma maison. Mais Abalobi, nul ne disait que ses biens lui appartenaient à lui seul, en propre. Mon côté, à Zaki Koloba, et tes bilots qu'on a eu, Zaki, y a eu mon corps. Mais Kasi. Tout était comme entré. Yonso Ezaki na lisanga kati na bango. Voilà. C'est cela. Costa. Mon. Siko boya obeta ngai mabanga ya pam. Maintenant vous allez me lapider pour rien. Non, vous allez au pona. Nous sommes ici pour que tous nous irons au ciel. Dieu nous rassemble dans un seul but de nous faire entendre ses paroles. Pour que nous apprenions à connaître Dieu, et comment le servir, et comment l'obéir. Nous allons continuer. Je continue. Les apôtres. Pantoma. Rendez avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que quand ça n'a pas cassé les tatoli, il y a les secours en colo Yesu. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ben golumbo komone nezaki kope malikolo na bango bansu. Car Jambi, il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Ils ont maquitté kati na bango mubola tamoko. Indigent signifie pauvre. Mozangi, indigent ça veut dire pauvre. Nazana, version juive ici. J'ai la version juive ici. J'ai vérifié avant de venir. Na yoko na traduction juive balobinini. J'attends dans la version juive qu'est-ce qu'on dit. Il y a aussi bato balingi dispute des mots. Il y a aussi des gens qui disputent des mots. Ah, bah, mais ce n'est pas pauvre. Ça, c'est pauvre. Et si décide pas. Bongo na bongo. Oh. Awa na version juive. Et c'est dans la version juive. La multitude des croyants. Et belé ya bandimi. Était de même cœur. Parce que belé moté mamoko. Et d'une même âme. Molimokakamoko. Et personne ne disait de ses biens. Motomokazai kolobate te biloko naye. Nantina biloko naye. Nantina biloko naye. Qu'il n'était qu'à lui seul. Et Ezaki kakayaye moko. Non. Te. Mais. Kasi. Chacun. Moko na moko. Partageait ce qu'il avait. Ezaki kokabola yango. Azalaki nango. Oya zwaki. C'est avec une grande puissance que les émissaires continuaient à rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Yeshua. Et ils jouissaient tous d'une grande estime. Aucun d'entre eux n'était pauvre. Indigent. Signifie pauvre. Car Jambi. Tout ce qui possédait des terres, c'est-à-dire des champs, ou des maisons, les vendaient.
et en apporte le produit aux émissaires. Émissaire signifie apôtre, envoyé. Aux émissaires, afin qu'il soit distribué à chacun selon ses besoins. Amen. 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 Ça, c'est le deuxième témoignage. Totangaki, premier témoignage dans Acte 2. Nous avons lu le premier témoignage dans Acte 2. Inauguration de l'église primitive. Le commencement. Awa œuvre et bandit Kokola. Et si l'œuvre commence à grandir. Comment tu l'as dit, Acte 3. Nous avons continué, nous avons dépassé Acte 2. Nous sommes acte 2. Et tu comme acte 4. Nous sommes maintenant dans acte 4. Et ton moni et le kongo bazonge ni sokoloba na acte 4. Nous voyons ils reprennent la chose dans acte 4. Oui, le bama qui acte 2. Ce qui était dans bazonge li ngol sou na acte chapitre 4. Ils ont repris ça dans acte 4. Oh, balenga mi 4 na kolo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Bible écoute le biboyi. D'ailleurs la Bible dit ceci. Joseph. Joseph. Surnommé par les apôtres Barnabas. Oui, bah, on va passer comme Barnabas. Ce qui signifie fils d'exhortation, d'encouragement. Lévite. Lévite. Moléou. Moléou. Originaire de Chypre. Oui, na Chypre. Vendit un champ qu'il possédait. Oui, Azaki Nango. Apporta l'argent. Amema Kimbongo. Lui aussi apporta l'argent. Ce n'était pas l'argent de Dieu. Il apporta l'argent de son sang qu'il avait vendu. Et le déposa au pied des apôtres. Frères et sœurs. Et ce qui Olandi Awa. Et si tu suis ici, frère, Bandeko. Awa na chapitre verset 35. Ici au verset 35. Yoko babaneko te kawana. Ce qui vendait là. Bon, on a le déposé au pied des apôtres. Les agents vous avez côté. Qu'est-ce qu'on faisait avec? Nini yango bazaka kosala na mbongwana. L'on faisait des distributions. Bazaki kokabola. À chacun, na, à chacun, na moko. Selon qu'il en avait besoin. Denge, azaki nango bosenga. Voilà. C'est cela. Distribution qui se faisait. Ezalaki ya biloko na bango moko batekisaka. C'était de leur bien qu'ils avaient vendu. Mais basangisi ba misolomina. Ils ont réuni tout cet argent. Babandi kokabola na kati na bango. Ils ont partagé entre eux. Kokokana na bosenga ya moko na moko. Selon les besoins de chacun. Soki Bate qui s'agabilo côté. S'il ne vendait pas des choses, Yabango moko. Leur propre bien. Bakoka qui peut sangisate. Ils ne pouvaient pas aussi mettre en commun. Et ce que pas sangisakate. Et s'ils ne mettaient pas en commun. Oui, bate qui s'agit. S'ils avaient vendu. Bakoka qui peut kokabolate. Ils ne pouvaient non plus partager. Parce que Bakoka qui soit loko ya kokabolate. Parce qu'ils ne pouvaient avoir rien à partager. Parce que kokabolande yango basangisaki. Ils partageaient ce qu'ils avaient mis en commun. Hein? Oui. Tolan. Suivant. Joseph. Joseph. Monomo. Awomo nangai. Surnommé par les apôtres Barnabas. Oui, bon, tout le monde appelle ça comme Barnabas. Le nom Barnabas, surnom là, signifie fils d'exhortation. Comme Barnabas, c'est l'un que l'on voit à l'Élysée. Qui était Lévite? Azaki Mulewi. De la tribu de Lévi. Yaituka Yalewi. Originaire de Chypre. Chypre. Lui, en tant que ministre aussi, vendit un chat qu'il possédait. Il n'a pas donné l'argent de Dieu, mais l'argent de son chat qu'il avait
Il a vendu. Il apporta maintenant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il n'a pas dit que moi je suis lévite. D'ailleurs, toi, Pierre, tu n'es même pas un lévite. Toi, tu es un juif. Tu viens de la tribu de Juda. Moi, je viens de la tribu de Lévi. Moi, je suis un lévite. Il faut apporter tout cela. Hein, déposé en haut à mes pieds. Non, lui a obéi cet ordre-là, cette conduite-là. Malgré qu'il était aussi lévite, a même en haut et pas yabantoma. Il a portage auprès des apôtres, aux pieds des apôtres. Sikoy. Maintenant. Babandaki Kokabola. Il les a partagés. C'est là où nous trouvons. C'est là où nous trouvons, dans le chapitre 5, un autre événement y a conduit au Wana. Cette conduite-là. Verset 1, il y a chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Batekaki pe yabango bozui eloko babande kozwa yabango propriété. Il vendit leur propriété. Et retint une partie du prix. Pe basimbaki ndambo moko ya misolo. Ah, ndambo ya mbongo bazwaki wana tango batekisaki propriété wana. Lorsque ils ont vendu cette propriété. Balongoli ndambo mbongo balobi bapesa kanyonso te. Ils ont retenu une partie, ils ont dit ils ne vont pas tout donner. Opesa utala te. Ah, tu vois, sans regarder. Longola mo ndambo yo bombera biso. Enlève un peu une partie, garde pour nous. Sa femme le sacha. Mwasi na ye koyeba kango. Ayeba kilika mwango mobali asali. Ah, la femme connaissait ce que l'homme avait fait. Puis, Nasima, le monsieur Anania, monsieur Anania apporta le reste. Amemaki wa itikalaki. Et le déposa au pied des apôtres. Ba, tikaka wana makoro ya bantoma. Sikoyo. L'apôtre Bazaki n'a porte parole na bango ya Zaki na mafungola. Les apôtres ont encore appelé ça mafungola. À qui le Seigneur avait remis la clé. Pierre lui dit. Peut-être là le binaye. Anania. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ponani Satana, ton dis mon témoin yo. A-t-il rempli? Attendi ce qui mon témoin yo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de rempli du Saint-Esprit. Na ici que autant ça m'a dit mon vous a rempli de Satan comme ça. Yotun samina Satan a boy. Nini boy. Qu'est-ce qu'il y a? Au point que. La motine doit être. Tu mentes au Saint-Esprit. Okosa na ilimu musanto. Ozokosa. Ozokosa na ilimu musanto. Ozokosa ilimu santo. Que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Aussi au bombi ndambo moko ya mbongo tekisaki elanga. Tu as retenu une partie du prix du champ. Pour retenir yango aussi au diminué au kaboli. Tu as diminué ça. Oyako pesa. Batu nyonso bazo mema nyonso tu. Yayo au kaboli yango en deux parties. Moitié au bombi, moitié mosusu oyako tika. L'autre moitié tu viens déposer ici. Pour jabulu atondisi. Parce que Satan a rempli ton cœur. Mboya kokosa batuteme ilimusa. Pour que tu mentes au Saint-Esprit. Okosa batuteme okosande ilimusa. Les hommes que tu mentes le Saint-Esprit. Pierre, wana mutuna libosa kutuna. Ça c'est la première question à lui poser. Yami bali. La deuxième. S'il n'avait pas été vendu. Soko yango été kamakate. Ne te restait-il pas? Kokai kozala yayote? Yango zai kotika la yayote? Ne te restait il a un ango, Zaki Ayote, Tikalaka Ayote. Ne pas pour toi. Et Pe. Après qu'il a été vendu, si yango kote le prix n'était-il pas à ta disposition? Bongo ango, Zaki te, na maboko na maboko, na maboko na yo, Zaki Ayote. Zaki Ayote. N'était pas à ta disposition. Pourquoi tu fais de telles choses? Troisième question. Moutouna, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein. Comment
Maintenant, conclusion, le Saint-Esprit a révélé. Comme le Saint-Esprit m'a révélé. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu n'as pas menti les hommes, mais tu as menti Dieu. Toi, tu penses que menti, moi, Pierre. André. Tu as menti, André. Jean. Tu as menti, Jean. Batouté. C'est pas les hommes. Nous sommes tu mens, Dieu. Anania. Anania. Entenda ces paroles. Koyoka kabalobango. Tomba. Akweyak. Et expira. Mourut sur les champs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte les saisit. Ils étaient saisis d'une grande crainte. D'abord, ils étaient saisis d'une grande crainte. Non, des craintes. Basaki d'abord saisis des craintes. D'abord, la crainte s'empara de chacun d'entre eux. Maintenant, est comme une grande crainte. Ça devient Bobang Moko Yamon. Et Baki Sabri, je suis comme Monène. Ça devient une grande crainte. L'homme de Dieu et Val de Franck dans le monde, il nous dit, lorsque nous attendons la restauration, pendant la dernière action de Dieu, avec l'Église pauvre, ici sur la terre, frères et sœurs, des choses qui se feront, en ce moment-là, ça sera comme du temps des apôtres. Parce que c'est la restitution, c'est le rétablissement de ce qui était ancien. De faux frères, de fausses sœurs ne seront plus cachés. Ils seront dévoilés. Ils seront démasqués. L'Esprit de Dieu opérera de grandes choses, agira dans des croyants, comme du temps des apôtres. C'est à ce moment-là que beaucoup de faux frères nous quitteront. Parce qu'ils seront démasqués. Voyez, frère, le Seigneur lui-même opérera un tri. Il triera. Il montrera la différence. C'est lui qui le craint pas. Aujourd'hui, on est toujours caché. Le Seigneur a dit, laissez croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et au temps de la moisson, à la dernière action, frère, il y a des choses qui auront lieu. Il y aura des choses qui se feront. Ça ne sera pas des prophéties, seulement des mensonges. Ah, wana lukuta. Et puis, on sait qu'on c'est la sœur Nayo Kindoki, on sait les frères Kindoki, on sait les bonnes Kindoki, on sait les bonnes Kindoki. Tu es un calomniateur. La sorcellerie. Et tu ne demandes pas pardon. Tu es un calomniateur. Tu n'es même pas médisant, mais tu es un calomniateur. Accusateur de frères et de sœurs, forcément. Forcément. Les calomniateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu, n'hériteront jamais.
Amen. Ah. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Après cela, le jeune Jean s'est enlevé, l'enveloppait, l'emportait et l'ensevelit. La femme n'était pas encore là. C'est seulement l'homme qui était venu avant. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Elle était dans le complot. Sans savoir ce qu'il était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, ma soeur, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Bien-aimé. Oui. Répondit-elle. C'est à ce prix-là. Comment nous craignons Dieu? Tu nous connais bien. L'argent est là. Na mouete, na plus. Il n'y a ni moins ni plus. Ah, c'est ce que nous avons vendu. Alors Pierre lui dit, na, si ma pète, là, le binaye. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Hein? Quel accord! Quelle concertation! Voici. Talani. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils viennent des cimetières. Et ils t'emporteront. Au même instant, arrêt cardiaque. Elle tomba au pied de l'apôtre Pierre et expira comme son mari. Le jeune Jean étant entré, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Côte à côte, pembeni. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Et tous ceux qui apprirent ces choses craignaient Dieu grandement. Namunene. Voyez-vous? Depuis Totangiawa, depuis que nous avons Nani Ayogi Dim, qui a entendu Dim, la Dim. Qui nous dise, j'ai entendu une place comme ça, on a parlé de Dim. Nani a yogi offrande. Qui a entendu l'offrande? Oyo ma pesa kananza. Kondona je. Gomori. Mais nini ango toyoki? Toyoki nini? Qu'est-ce que nous avons entendu? Toloba, mutuna mutuna. Toyoki nini? Toyoki nini? Biloko baba neko kabola e uta ki wapi zaki nini? D'où venaient les choses qu'il partageait? C'était comment? Kuyeki. L'herbe de kuyeki. Kuyeki. Toloba. Ezate ke mwasi alobi na nko na ye na assemblée. Ngai ne na zo tuna bino. C'est moi qui vous pose la question. Vous avez entendu l'origine des choses qui est partagée? Bah frère, et où t'as quoi? Le frère, ça venait d'où? Eh frère! Là où tu n'as pas le frère, je vous demande vous.
Et chez nous ici, nous allons partager quoi? Frère, qu'est-ce que nous allons partager? Voyez-vous? Un enfant de Dieu ne murmure pas. Et Zabongo. Mobali oyo na mwasi na ye bakufeli mbongo ya Nzambe. Cet homme et cette femme. Et c'est bakufi pas na dîme. L'argent de Dieu. Bakufi pas na offrande. Ils sont morts pour la dîme pour l'offrande. Bakufeli mbongo uti wapi? Ils sont morts l'argent d'où ça? Ya ilanga na bango moko bakufeli. De leur champ. Leur propre champ. Omoni. Sikoyo. Wapi mbongo bantoma bakoiko kabula. Omoni baye mbongo bantoma banaiko kabula wana. Ngebeni baye ko déposer na makolo bantoma. Venez déposer au pied. Bantoma lelo ezai batei. Les apôtres aujourd'hui sont des prédicateurs. Parce que omoni ke bato bele bazolo bakeso ke église ezai na batia chrétien ezai église. Parce que aujourd'hui beaucoup de gens disent ceci. Jusque là bino boyoki batake comme ya diak. Jusque là est-ce qu'on a ces Ezra ka église était. C'était pas l'église. Et comme église, il y a un acte 6. C'est devenu église. Mais comment puis-je que ce soit le Makamu Yanza? Comment est-ce que nous comprenons les choses de Dieu? L'église signifie des diacres. L'église, c'est l'école de Basungi. Vous voyez? Vous m'avez dit? Donc, Papandaki, Bateki, Sibiloko, Bamemi Bongoana, Namakolo Yabapo. Ils ont commencé par vendre leurs propriétés. Donc, nous avons mis sur Bateya, Bamemi Bongo, et pas la mission Batei. Et tel que nous, aujourd'hui. Choke Zagalelo, ah, Bakoufelika Kambanga. Si c'était aujourd'hui, ah, ils sont en train de se faire. Kouloupaloupakouine. Murmurer, dire n'importe quoi. Et vous verrez que même dans l'Ancien Testament, ministère ya diacre nos premiers diacres dans l'église du Nouveau Testament, bâti par le Seigneur Jésus-Christ sur le roc séculaire. Bajouami pour la première fois dans Actes chapitre 6. Il se trouve pour la première fois dans Actes chapitre 6. Pourquoi t'as pas diacre dans Genèse était? Pourquoi t'as pas un exode était? Pas ça dans Lévitique était? Pas ça dans Deutéronome? Ils ne sont pas dans le nombre, ils ne sont pas dans le Malachie, ils ne sont pas dans le Matthieu, ils ne sont pas dans le acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Badiakre Bagozoma, acte chapitre 6. L'église essaie Banda. L'église avait déjà commencé. Mais bien qu'on ait banné qu'on capoula manabanda, ils savent que c'est comme la apôtres. Mais c'était distribué par les apôtres. Apôtres ne va banné qu'on capoula yango. Les apôtres qui les distribuaient. Apôtres ne va banné qu'on capoula dimeté. Les apôtres ne distribuaient pas. Banné qu'on capoula offrande yanzambeté. Non. Banné qu'on capoula biloko yo. Bandi mi bango moko ba yanganisaki. Il les distribuait. Oui, bango moko ba sangisaki. Et le croyant même avait mis. Les bambi mi yango na makolo na bango. Il les déposait à leurs pieds. Pe basa na ka distribution. Il faisait la distribution. Amen. 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 Ngonga na biso esi. Notre temps est fini. Ngonga esi. Notre heure est finie. Amen. Voyez-vous. Tokoki kosuka lelo wa. Aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter. Dieu voulant. Zambe kolingaka. Nde tokokota na acte chapitre 6. Que nous entrerons dans acte chapitre 6. Et acte 6 n'a pas sabino l'avant-goût. Et l'acte 6 que je vous donne l'avant-goût. Pour nati abino l'eau à la bouche. Pour vous mettre l'eau dans la bouche. Amen. Amen. Totangi boy. Nous lisons ceci. Verset 1. Verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Augmentation à l'Iboso Ezaki, 3000 âmes. La première augmentation, c'était 3000 âmes. Ah, Watokomi, l'augmentation, je crois, Yami Bali ou bien Yami Sal. Ici, ça doit être la deuxième ou troisième augmentation. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée
Bazaki kosunga mate. Lobaka négligé et batozana kisasa. Bazaki négligé te. Bazaki négligé. Bazalaki négligé. Ah, bazaki négligé. Dans la distribution. Katina bokabolami. Qui se faisait chaque jour. Oui, zaki kosala mamokolo na mokolo. On faisait la distribution chaque jour. Et il y a une question. Distribution qui se faisait chaque jour. C'était de quoi? Yanine. C'était de quoi? Biloko yo basangisa ki bango moko. Le bien ya mona babanga iko kabola na kati na bango. Engebenga na bosenga ya moko na moko. Selon le besoin de chacun. Sikoyo ekutamaki kuna deux groupes de peuples. Maintenant il s'est trouvé là-bas des groupes de peuples. Les Hébreux, donc les Juifs, et les Hellénistes, les Grecs, nous sommes des nations, en d'autres termes, qui n'étaient pas Juifs naturellement. Et pas les Hébreux, ba veuve, ba zoamaki, et pas ipe, y a ba Hellénistes, pe, et zoamaki pe, ba veuve. Chez Hellénistes, il y avait aussi des veuves. Et il fallait aussi aider les veuves. Chaque veuve selon son ou ses besoins. Na bosenga na ye. Baba na ko sunga e sunga sunga te. Et aide ka ko veuve ba sungio. Donc balobi di bosoke il faut montrer monter ba ko bolango ko kana na bosenga na ye. On dit premièrement que on dit si vous veuve nyoso bazanga ki biramba te. Tous les veuves ne manquaient pas d'argent. Ezaki na bo bazana biramba. Ko bazanga biramba. Soke za ila baba sungie na ila. Oya zanga ke lokwa kolia ba sungie na lokwa kolia. Oya zanga ni sapato ba sungie na sapato. C'était comme ça. Et ça n'était pas comme ça, bébé. Il y a un gros joie, bien, bata, yo, ça n'a bien. Ce n'était pas comme ça. Zaki Bongo, t'es. Non. T'es. Il faut besoin, et ça l'a présenté. D'ailleurs, n'a pas qu'elle est un éloque, boy. Et l'eau, on a dit, bah, quoi, qu'on soumaille, na yango. Avec ces choses-là, qu'on pouvait devenir un éloque. Quand on va qu'on cabola, bah, canissi, et canissa, bébé, zongolo. Lorsqu'on va distribuer. Négligence, c'est mon quoi, kotaka. Je ne sais pas, et ça, qui n'est pas apôtre, bah, ça qui dépassait, n'a pas son aïe prédication. Je ne sais pas. Bah, responsable, bah, responsable, bah, responsabilité, pas, y'a, bah, frère, monsieur, bah, aider, bah, je ne sais pas. Depuis, il y a des gens qui déposent dans ma colonne bango. Tout le monde a besoin de la distribution. Batanga li bisoteke, baponaki frère, songolo na frère fulani, basa la distribution. Mbongo ezaika na makolo ya bantoma, bazaiko kabula na kati na bango, koko kana na bosenga ya moko na moko. Mais négligence ye kokota. Et vous verrez que tous les apôtres n'étaient que des Hébreux. Aucun apôtre azalaki helléniste. Mais maintenant, Mirmire est coti. Bah, ni veuve, mais yo, tu as sauté. On a demandé à une veuve, tu as eu du riz. Qu'est-ce que tu veux manquer à la maison? On ne m'a pas donné. Bah, t'as la boye, helléniste. Helléniste. Nani a joaki? Ki ya yi? Oh, yoguna, agana joaki? Oh, yo joaki te? Ah, toi t'en as pas yi? Nani a joaki loso? Moi j'ai yi diri. Bamono ya joaki loso? Hébreu. Ki ya yi diri, hébreu. Et c'était comme ça. Ba yeko trouvé que ba négligé, ba résolu quoi, ba tioli, ba veuve yo ba zaki ba helléniste. Il s'est trouvé que on a négligé les veuves. Ba zo sunga kaka, ba oyo ba zalaki, mingi, ba oyo ba zalaki ba hébreu. On assistait beaucoup plus ceux qui étaient des hébreux. Murmure et continue à kati assemblée. Alors il y a eu murmure dans l'assemblée. Ba helléniste murmurèrent contre les hébreux. Parce que leur veuve, ce n'était pas veuve eux-mêmes. Mais. Un.
Mais les croyants même peuple. Baza négligé, baba n'y a pas murmuré. C'était une injustice. Équateur Nord, na Équateur Sud. Basangisi assemblée moko. On fait une même assemblée. Kaka bangwaka na bangwandi, bamongo kuna na babunja bajwate. Les bosans ils n'ont pas. Voilà, c'est dans ce sens là. Vous allez na sens wana. Voilà, mais non. Boete. Pas comme ça. De sikoyo. Les 12 apôtres. Ba Thomas o mina mibale. Bino bolobi, Matthias yakitanaki Judate. Ah, Apollo, non, non, bon, moi, je m'en Douzième, c'était qui? Douzième, c'était qui? Judas, c'est à Koufak. Judas, c'était déjà mort. Bible et lobby, les 12 apôtres. Bible et lobby, ben, Thomas, mon ami. Douzième, Zaginan. Douzième, c'était qui? Wabi Paul. Où est Paul? Paul, Zainano, Payet, Toloba, un pharisien. Paul était encore pharisien. Batanga Yawa, na acte 6. C'était ici, acte 6. Il n'était même pas converti. Et Matthias avait valablement, par le Saint-Esprit, remplacé Judas Iscariote. Et Matthias, c'est ainsi dit la Bible. Judas Iscariote, yango le Biblia. Amen. Les 12 étaient convoqués la multitude des disciples. Les 12, quand ils ont entendu cela, bien et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Non, il n'est pas convenable. Longobanité. Mais je te dis qu'à l'iloba yanjambe. Que nous laissions la parole de Dieu. Et bongité. Ce n'est pas convenable. Pour servir aux tables. C'est ce que j'ai dit à nos diables. Yanguna kolobana bajako nabiso. Bino sokitoza na fête. Ah ou na kati assemblée. Si nous avons la fête ici dans la. Vous choisissez toujours des sœurs. Mais mon son est à distribution, il y a ma sœur ou bien il y a ma diacre. Mais l'œuvre de distribution, c'est des sœurs ou des diacres. Vous confondez vos maisons avec la maison de Dieu. Dans nos maisons, ce sont nos femmes qui nous servent. Dans la maison de Dieu, ce sont des diacres qui servent, qui doivent servir à la table. Après cela, nous voyons, oh, des sœurs sont allées avec des sachets. Oh yaye, ngana ya kikutute. Wapesa ingai kamukua. Oh kuna wapesa ingai poso ya pamba. Oh kuna kaka ndamu ya loso etikaraki. Yezali ata na madesu nakatite. Madesu ya pamba basi balongoli bisuni nyoso. Na muna ki basero baba na iko kabola. Mutu na mutu na sashe na ye. Mutu na mutu na sashe na ye babimi. Pa musuzi bagay na baki bakula. Me aki la faute. C'est la faute de diacre. Mbeba ya basungi. Ou bien, dans notre assemblée, nous devons aussi élire des sœurs diaconesses. Des diacres. Qui veut parmi les sœurs bâtir la candidature? Pour devenir des diacres. Parce que les frères ne veulent pas faire leur service de diacre. Ça devient difficile. Vous pensez que nous devons ici blaguer? Les oracles de Dieu. Yo dia église, au petit cravate, au lingi copes à ma frère sanité, frère Yakakodia. Toi diacre dans l'église. Tout ça n'a fait, vous vendez na bamessa, vous avez batté fête d'église, vous capoulabiro Yakodia. Vous ne savez pas, la fête de l'église, vous ne savez pas, je suis où est la nourriture.
Ce n'est pas comme ça. C'est les diacres qui doivent servir, qui doivent faire ce service-là. Je vais reprendre. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. Non, moi je lis mal. Sept femmes. Choisissez sept femmes. Mais il est écrit cet homme de qui l'on rend un bon témoignage et ainsi de suite. Et nous ferons quoi? Et que nous chargerons de cet emploi. Il s'agit de quel emploi? La distribution de nourriture. Cet emploi signifie quoi? L'emploi de la prédication, de l'exhortation. Non, cet emploi, c'est la distribution. Distribution. Distribution de la nourriture qui se faisait chaque jour. Désormais, il y a un diacre. Le diacre va s'occuper de la nourriture, va s'occuper de vêtements, va s'occuper de finances, pour aider les pauvres parmi nous à leurs besoins. Et les prédicateurs s'occuperont désormais de la parole et de la prière. C'est ainsi dit le Seigneur par sa Bible. Et disons amen. C'est comme ça. Hey. Oh. N'habitez bino pas ni besoin pour en gagner sa diacrité. Je ne sais pas pourquoi vous ne me choisissez pas. Frère, pour être vous devriez voir. Vous devriez comment on a besoin servir bino. Vous devriez voir en train de vous servir. Je ne veux pas choisir. Mais vous dites bah, sœur, moi on a place dans gaite. Je ne mettrai aucune sœur. Naimoko na koyako. Kosunga bino kusaira ka bino. Je viendrai vous servir. Vous n'êtes jamais wana pona bino. Parce que je suis placé là, établi là pour vous. Que Dieu nous bénisse. J'attends la main est faible. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a pour les... Est-ce que c'est clair? Pourquoi le baptême que Frère dit la pambola? Venons et prions Dieu. Va bien aller comme où est mon problème ici? Moi, je viens devant le tribunal de Christ. Beaucoup de gens qui ont été son livre de loi est ouvert. Je n'ai pas de problème, moi. Prions alors. Oh, Nzambe. Natondi yo. Djoube, Nzambe, Ndeboye. Nandima.
Merci. L'Église prend soin des siens. Matondo, matondo kolo. Oyo eloko kitoko ya kokamusa. Bana na yo bakamba makina ntango yena. Atale lo soko biso to sangisite. Men kolo, toko kite ko supporte ndeko akufanzala. Ndeko akotambula mutakala. Non. Si l'amour divin est en motema. Toko compatir nandeko. Toko lukape, Seigneur. Toko ka kosunga kosalisaye d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci, Nkolo. Deko Bilali, accompagné na bien-aimé, okoko ya kobondela. Frère Okobanda, pe frère Bilali, akoko banasima. Boyaka kosambela. Bonabiso. Zambe asunga biso. Seigneur Dieu bien-aimé, Kolon Zambe Molingami, Créateur des cieux et de la terre, Mokele Yabalo la Pema Bele, nous te remercions encore une fois ce soir pour la prédication qui a été apportée. On a l'été yo et pesamak. C'est un ordre pour cette phase. Amen. Parce que nous devons retourner au commencement. L'Église à la fin doit être semblable à l'Église à son commencement. Amen. Il y a un point très nécessaire pour lequel nous sommes encore une fois éveillés ce soir. La communion fraternelle. nous a été restaurée lorsque le sang avait été répandu à Golgotha. Seigneur, aide-nous à conserver cette communion
Amen. Sur base de ton sang versé et sur base de l'amour fraternel. Partout où il y avait la communion fraternelle, il y avait aussi l'amour fraternel. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit que je remplacerai. Amen. Nous sommes disposés. Remplace en nous la communion fraternelle qui avait été perdue par des divisions. Répand en nous l'amour fraternel qui avait été perdu, Seigneur, par des fausses doctrines. Nous nous abandonnons à toi ce soir. Nous disons, Seigneur, agis. Nous disons, Seigneur, sauve. Nous disons, Seigneur, délivre. Nous disons, Seigneur, guéris. Nous disons, Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur et la puissance. Bénis ton serviteur. L'homme à la bouche par laquelle tu nous as parlé ce soir. Et bénis toute l'assemblée. Amen. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te demandons avec foi. Amen. Amen. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Tu as dit dans ta parole que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Toi, quand tu parles, c'est pour nous ramener à toi. Si tu as vu quelque chose qui ne va pas à nous, et tu nous as donné ta parole pour nous faire revenir à toi, à ton conseil. Nous avons entendu, Seigneur, que tes apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Ils n'avaient qu'une seule doctrine. Ils ne prêchaient que la même parole. Ô Dieu du ciel, maintenant que nous avons été ramenés, nous voulons que ça soit réellement le même enseignement, la même parole. Que cette parole puisse animer nos pensées et produire en nous les fruits dignes de la repentance. Au début de l'Église, quand cet évangile était prêché, le cœur des hommes était touché. Oh Seigneur, merci pour avoir touché nos cœurs aujourd'hui. Et nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui produis cela en nous. Et bénis cette parole que nous avons entendue. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Et bénis ton peuple et ton troupeau. Que ta grâce puisse encore nous accompagner dans ce chemin où nous avons besoin d'être assistés par toi en toutes choses. Seigneur, nous nous souvenons à ta parole. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec toi, nous ferons les exploits. Que ta grâce soit avec nous. Nous te le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis votre frère dans le sang précieux de l'agneau. Si vous m'appelez Louis Chiteya, c'est mon nom. Et j'étais aussi chargé de vous transmettre des salutations de la part de vos frères. Les sœurs de partout où nous sommes passés, de vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je viens du
Kasaï Central. Nauti na Kasaï Central. Je sers le Seigneur au centre missionnaire de Kamaï Savinkas. Nasala kankolo katina centre missionnaire de Kamaï Kamkas. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Kolonza papa na bino na boikani. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Je suis ravi de joie d'être parmi vous. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes un même peuple. Amen. Nous écoutons la même parole. Et Dieu a permis que nous soyons dans des communes différentes où vous avez vos frères et vos sœurs qui ont les mêmes espérances. Amen. Oui, que Dieu bénisse richement son serviteur. Amen. Vous savez, quand on écoute de telles choses en tant que conducteur, et nous avons été suffisamment enseignés ce soir. Dans l'église primitive, c'est Dieu qui a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Mais il s'est passé un moment où vous trouverez qu'il s'est glissé parmi vous. C'est pourquoi le prophète a prêché un sermon intitulé « Les trois sortes de croyants ». Mais avec l'écriture, la parole que nous avons entendue ce soir, que tous les faux seront démasqués et la fin sera comme le commencement. Que le nom du Seigneur soit remercié. Amen. C'est votre frère Bilali de l'Assemblée de Kingasani Pascal, juste sur l'école Bravo, sur le boulevard Pascal. Merci. Matondi. Amen. Amen. Oui, la kaki restauration. Oui, Dieu avait promis la restauration. Des fois, ce sont des synonymes. Des fois, ce sont des synonymes. Restaurer. Rendre. Rendre. Restituer. Restituer. Rétablir. Rétablir. Ramener. Ramener. Mais un peu de différence. Quand moi, beaucoup c'est nous qui. Avec remplacer. Na kokiti sama. Donc remplacer. Na bon kokiti sama. Ezaloko la téléphone na yo. C'est comme ton téléphone. Et c'est bon. Et il n'y a pas moyen que tu puisses le retrouver. On t'achète un autre. Mais ils ont la même dimension, même grandeur. Mais ça n'a pas la même dimension. La même grandeur. iPhone. Pour toi, c'était iPhone. Samsung. Nous t'avons acheté Samsung. Ça s'est remplacé. Ça s'est remplacé. Mais nous ne voulons pas le remplacement. Nous, nous voulons les iPhone. Donc ce qui était au commencement est que cela soit restauré. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as mis Bassani dans les Seigneurs? Nous accueillons ces serviteurs avec joie. C'est ça. Ils abondent. Et surtout, frère Yautina Kasai Central. Je sais qu'il est là dans les missionnaires. Partout il passe. Il peut apporter la présence de frère Bilali. Qui est lié avec nous. Dans la même œuvre. C'est mon associé. Azali associé nangai dans l'œuvre du Seigneur. Kati na musala nkolo. Soki azongi na Kingasai. Si le rentre à Kingasai. Na Pascal. A Pascal. Apesa bandeko kuna bambote. Kele salamu. Zambe atambula na biso banserongo na kombra Yesu Kristo. Que Dieu marche avec vous. Voilà. To soki le loana. Voilà aujourd'hui nous nous arrêtons là. Que vla to kokoba lo. Dieu voulant nous allons continuer demain. Esaïe sonde à l'ingi copé sabiso ma pambolibe. Soko tondimi solo.
enama pamboli wana tokusunga bandeko apamboli andenge na de. Oui, je crois, lobi lokoya di bala lyoko di kosalama awa. Denge to sakulaki. Malheureusement, nazomona bande kwango di soute, mais sinon, promesse ba pesaki. Voilà. Yeah.